journées qui ont fait le Québec, c'est dix dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Aujourd'hui, le sociologue et historien Denis Delage nous fait revivre toute l'importance de la signature de la Grande Paix de Montréal. Ce soir, M. Delage nous raconte ce qui a permis la signature de la Grande Paix de Montréal et ce qui a fait que le 4 août 1701... Une alliance décisive a été conclue entre les Français et près d'une quarantaine de nations amérindiennes. C'est de l'âge, cher public, bonne conférence. Merci. Après plus d'un siècle de guerre, Montréal était le lieu de la ratification d'une grande paix et sont venus à Montréal. Environ 1300 ambassadeurs d'une quarantaine de nations, de provenance de territoires aussi vastes que de l'Acadie jusqu'aux Prairies, puisqu'il y avait des Sioux, euh, des, du bassin de la baie de James et du nord du lac Supérieur euh, jusqu'au Missouri, dans la région de, donc actuelle de Saint-Louis. La paix a été ratifiée entre, d'une part, le réseau d'alliance des Hurons et des Outaouais et les Français et d'autre part, la Ligue des, des cinq nations iroquoises. Alors, qui étaient les, les signataires Alors, ce grand réseau d'alliances qui regroupait les nations amérindiennes et les Français était, était composé, bien sûr, des Français. Euh, D'Acadie venaient les Abénaquis, qui représentaient peut-être également les Abénaquis de Saint-François. Il y avait également les Amérindiens, les Iroquois domiciliés de la région de, Mont de, la région de Montréal. Il y a des à partir de 1667, il y a des Iroquois catholiques qui sont venus qui sont venus habiter près de leurs de leur confrères catholiques de la région de Montréal. Donc il, il s'agit des Iroquois de la prairie ensuite à ensuite Saint-Louis qui est devenu Kanawake et des et des Iroquois qu'on appelait de la montagne, c'est-à-dire qui habitaient au pied de la montagne du Mont-Royal, sur, euh, sur, euh, sur le terrain actuel du, euh, du Grand Séminaire euh, de Montréal. Ultérieurement, ces Iroquois ont déménagé à Oka. Il y avait des Algonquins qui euh, venaient de l'Outaouais. Euh, des cris qui venaient du bassin de la baie de James, on ne sait pas exactement de quelle région, mais euh, grosso modo du bassin de la baie de James, des Amikoué, le mot veut dire euh, nation du castor, qui venaient du nord du, nord du lac supérieur, euh, des Grands Lacs venaient plusieurs, plusieurs nations appartenant à, à un regroupement ou une quasi-fédération des Outaouais. Région du lac Huron-Supérieur, les Ojibwés et les sauteurs de la grande région du Sault-Sainte-Marie, les Hurons Wyandotte de Michilimackinac. Michilimackinac, c'est le nom. Maintenant, on dit Mackinac seulement, mais michi, Machinac, ça veut dire grand tortue, michi ça veut dire « grande tortue euh, », Michi, ça veut dire « grand », et Mackinac veut dire « tortue », comme Michi-Sipi, Michi veut dire « grand fleuve si, euh, », Michi-Grand et Sipi-Fleuve. Euh, donc, euh, il, il venait de michéli qui est une île qui est située à la rencontre des lacs Huron et, euh, et Michigan, euh, où, qui était un lieu de rencontre euh, très important pour les Amérindiens, et qui renvoie à un lieu sacré également, puisque dans beaucoup de récits mythiques, à l'origine, euh, la Terre était une grande tortue, et peut-être bien que cette tortue, c'était cette île à la, rencontre, à la rencontre de deux grands lacs. Euh, Venaient euh, euh, également de ces, euh, de ces régions les, euh, les Miami de, de l'Indiana, non pas de, de Floride, mais de l'Indiana, euh, les Saki et les Renards du Wisconsin, les Folavoines ou euh, Maloumines qui venaient du sud du lac supérieur, les Putewatamis, des alliés très proches des Français qui venaient de la région de Chicago, des Prairies sont venues des Sioux, euh, du Mississippi, de nombreuses nations, de la, fédération, euh, de la Confédération des Illinois. Euh, toutes ne sont pas venues cependant, je pourquoi dans, euh, dans deux minutes. Les signataires du côté, des du côté des Iroquois étaient les représentants de la Ligue des Iroquois, de cette confédération représentée métaphoriquement par une grande maison. Le, le nom Iroquois a été donné par leurs ennemis et ça veut dire les assassins, euh, mais eux-mêmes s'appelaient les habitants de la Maison Longue, donc les Odonosoni. Et métaphoriquement, ils représentaient leur confédération comme une très grande maison qui couvrait une grande partie du. Euh, du, de l'État actuel de New York, euh, depuis Albanais jusqu'à jusqu Niagara. Euh, au centre, euh, il y avait leur capitale qui était tenue par les Onondagais, et la capitale s'appelait Onondaga. À l'extrême-est, les Mohawks ou les Agniers, dans les, les documents français euh, de l'époque, étaient les gardiens de la porte de l'Est pour le territoire iroquois. À l'ouest, les Tsonontois ou Sénéca étaient les gardiens de la porte de, euh, de l'ouest, de cette grande maison métaphorique. Et de part et d'autre du feu central, deux autres nations, les Oneyut ou Oneida, les Goyongouin ou Cayuga. Je donne les deux noms parce que les noms les plus courants actuellement sont les noms anglais, mais dans les documents à l'époque, on utilise toujours les, 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 les noms français, donc Goyongouin plutôt que Cayuga. Une délégation de 1300 ambassadeurs qui arrive à Montréal, ce n'est pas rien, puisque la, la petite ville de Montréal comptait 1500 habitants. Donc, il y a presque autant d'ambassadeurs que la population de Montréal. La, la région de Montréal comptait à peu près 3500 colons. Et à l'époque, les, les Iroquois chrétiens établis près de Montréal, à Kanawake et à la montagne, étaient au nombre d'à peu près 1500. Donc, il y avait autant d'Iroquois chrétiens qui avaient de colons dans la petite ville de Montréal. Ces fédérations, ces alliances étaient très anciennes. L'origine de la Fédération Huron, vous savez par l'histoire que vous avez apprise, qui a été détruite en 1649, comme l'origine de la Fédération Iroquoise remonte très certainement au moins au 16e siècle, mais plus probablement au XIVe siècle. Ces réseaux d'alliance étaient également très anciens. Euh, ils étaient, pour ce qui est de celui auquel les Français se sont joints, le, le réseau d'alliance des Hurons et des, et des Outaouais euh, existait avant l'arrivée des Européens et il était aux dimensions de cette grande paix, c'est-à-dire il était de temps préhistorique aux dimensions de cette grande paix, euh, c'est-à-dire qu'il couvrait en gros les bassins fluviaux du Saint-Laurent et du Mississippi. Manière de dire donc que notre histoire. Ne commence pas en 1608. Euh, L'établissement permanent des premiers Français remonte à 1608. C'est le, le début de l'histoire pour les descendants des Français, mais notre histoire au Québec est plus ancienne, puisque le Québec remonte à au moins 8 000 ans d'occupation humaine, et quant au Canada et aux Amériques, au moins 14 000 ans, probablement davantage. Euh, pour s'établir à Québec en 1608, les Français ont dû conclure un traité d'alliance en 1603 avec ces Inuits puisque c'était un territoire Inuit il y a donc eu à Tadoussac en, en 1603 un traité d'alliance entre un chef Inuit du nom de Anada bijou et euh, Gravier Dupont et Champlain qui représentait le roi de France et qui euh, ramenaient avec eux euh, deux jeunes euh, deux jeunes Inuits qui avaient rencontré euh, Henri IV qui avait été très bien traité et ce, il y a eu trois semaines de de célébration avec à peu près 1000 personnes et une, une alliance était conclue en 1603 entre euh, les Français d'une part et d'autre part les Inuits qui étaient les autres, euh, les Algonquins qui venaient de, euh, de l'Outaouais les Hachemèmes et qui venaient, qui venaient d'Acadie. Et ces trois nations étaient elles-mêmes alliées à, aux nations de la baie James et aux nations euh, des Grands Lacs. Les Inus étaient, en 1603, les grands intermédiaires dans la traite des pelleteries à Tadoussac. Les bateaux qui venaient à la pêche dans le Golfe se rendaient à Tadoussac pour faire la traite et les Inus attendaient qu'il y ait plusieurs navires pour avoir les meilleurs prix possibles. Euh, empêchait les Français de remonter euh, le, le Saguenay et euh, empêchait les Indiens de l'intérieur, leurs fournisseurs de fourrure, de venir négocier directement. C'est eux, donc, qui avaient le, euh, le contrôle de ce, de ce commerce. Euh, les Inuits faisaient ce commerce, mais non pas par le Saint-Laurent, par l'intérieur des terres, parce qu'ils étaient en guerre avec la Ligue iroquoise qui, elle, cherchait, elle aussi, à avoir accès à ces nouveaux produits dans le Golfe qui, euh, mais le contrôle est assuré par les Inuits et leurs alliés et les Iroquois euh, donc bloquaient le, la circulation sur le Saint-Laurent ou tentaient eux-mêmes euh, d'avoir euh, accès à, à, à Tadoussac. Et euh, c'est ce qui fait que les, les nations des Grands Lacs ne se rendaient pas à Tadoussac par le fleuve, mais par l'intérieur des terres, c'est-à-dire par, euh, par la BTB. En 1603, donc, les Français se sont intégrés à un vaste réseau préexistant, et ses alliés ont demandé à leur nouveau partenaire français euh, leur aide, son aide militaire et c'est la raison pour laquelle Champlain a, fait, a conduit trois attaques contre les Iroquois, euh, deux, deux escarmouches en 1609 et en 1610 et une attaque un peu plus sérieuse contre un village Iroquois près, de, euh, près du sud du Lac Ontario en 1615 et c'est l'origine euh, du conflit franco-iroquois mais encore une fois, ce conflit est plus ancien. Les Français se sont, euh, se sont, euh, se sont joints à une guerre qui, euh, qui, préexistait, qui préexistait à leur arrivée. Euh, le conflit s'est résorbé ultérieurement pour un certain nombre d'années puisque les Néerlandais sont, se sont établis à la Nouvelle-Amsterdam devenue euh, New York, euh, à Fort Orange. Euh, devenu albanais et les Iroquois ont eu accès justement aux produits qu'ils recherchaient et euh, ils, ils n'ont pas eu le besoin de continuer de faire la guerre pour obtenir, euh, pour obtenir ces marchandises. Cependant, euh, à partir des années 1630, euh, 1620, mais surtout 1630 jusqu'à 1701, il y a eu une période de guerre presque continuelle, entrecoupée de trêves dont nous ne ferons pas l'histoire euh, détaillée mais que l'on se rappelle que c'est une période de, de guerre quasiment constante. Euh, la guerre n'est pas une création des Européens en Amérique, la guerre n'est pas introduite par les Européens en Amérique, sauf que la guerre en Amérique prenait des formes différentes de celles de l'Europe. Euh, la, la guerre en Amérique ne visait pas principalement l'acquisition de territoires, elle n'avait pas, pas non plus principalement des mobiles économiques, elle, euh, elle répondait à des mobiles sociaux et démographiques. Euh, la guerre comme manière de, de, de se distinguer, de s'opposer de l'autre et de bâtir sa propre solidarité. La guerre comme épreuve incontournable pour, pour fabriquer sa masculinité, un rite de passage pour, pour les jeunes hommes. Euh, une, la guerre sur le mode euh, de la chasse ou, euh, ou de la capture pour s'accaparer de la force de l'autre, sur le mode du rapt où on fait des prisonniers. Euh, évidemment, tous les prisonniers n'ont pas, euh, pas la vie sauve, mais la plupart ont la vie sauve et ils sont intégrés de force, bien sûr, dans la société euh, de, de, de leurs ennemis, où ils doivent prendre la place, euh, la place des morts. L'historien Maxime Goyer, dans un colloque sur la recherche relative aux Autochtones, nous explique que les prisonniers capturés étaient non seulement adoptés par des familles en deuil pour remplacer des individus morts prématurément, mais qu'en plus, le captif devait alors prendre le nom, le rôle social, et les responsabilités de celui qu'il remplaçait. L'objectif visé était de maintenir l'équilibre dans les forces de production au sein de la communauté. Mais ces guerres de deuil, parce qu'elles étaient pratiquées par la plupart des nations, avaient généralement pour effet d'entraîner une réplique de la part de la nation agressée, et engendraient ainsi un cycle de violence particulièrement difficile à rompre. Cependant, la guerre s'est fortement intensifiée. Euh, au XVIIe siècle pour plusieurs raisons. La première, c'est que le, le commerce qui relie l'ensemble des partenaires à l'époque, européens et amérindiens, c'est la traite des pelleteries. La production des fourrures, elle est très ancienne dans les communautés. On, produisait, euh, on, on chassait les animaux à fourrures pour, pour se vêtir, pour faire, pour, faire, euh, pour faire les raquettes, euh, etc. Et, euh, mais la, 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 le piégeage des animaux à fourrures ou la chasse euh, visait la consommation locale. Or, la traite des euh, vise un marché répond aux besoins d'un marché étranger, d'un marché européen. Pour, euh, où la demande est énorme, en particulier au 17e siècle, qui est un siècle froid. On a besoin de fourrures. Celles qui viennent, euh, celles qui viennent de Russie coûtent très cher. On peut en avoir moins cher ici. Et donc, les Amérindiens se mettent à produire nettement plus de fourrures qu'auparavant. Et ils vont chasser au-delà des capacités de reproduction des espèces. Et une fois leur territoire vidé, bien là, on va aller sur le territoire de l'autre, ce qui est une source de conflit, une source de guerre. Ensuite, je passe rapidement, mais l'arrivée des Européens. En particulier sur la côte atlantique, sera euh, l'occasion de nombreuses guerres pour refouler les populations autochtones qui occupaient la côte euh, dans ses mains. Et à partir des années 1660, les rivalités entre les, couronnes Europe, euh, en, entre les couronnes européennes en Amérique seront également des sources de guerre. Nous allons cerner. Donc, vous comprenez que j'essaie de, de vous tracer un grand portrait. Avant d'arriver au 4 août, il faut qu'on qu sache d'où ça vient et qui, et qui, et qui est là. Alors... Je vais vous tracer le portrait de quatre grands acteurs de cette grande paix de Montréal. Il importe donc de camper les acteurs euh, avant ce dénouement de 1701, de voir ce qu'étaient les enjeux, les intérêts, les stratégies, les forces et les faiblesses des uns et des autres. Alors, ces quatre acteurs sont, premièrement, le grand réseau d'alliances des Hurons et des Outaouais auxquels les Français se sont joints en 1603 par l'intermédiaire des Inuits. Ensuite, le camp adverse, celui des Iroquois. Ensuite, les Français et, enfin, les Néerlandais et les Anglais. Alors, commençons par le réseau d'alliances Huron-Iroquois. Euh, C'est donc ce réseau qui a intégré, absorbé les Français et non pas, euh, pas l'inverse. Euh, mais par ailleurs, cette intégration des Français a été source de plusieurs tensions à divers égards. Le, le, la, la première tension elle est apparue dans, à la fondation de Québec, puisque en s'installant à Québec, les Français ont travaillé à déloger les Innus de Tadoussac dans leur rôle d'intermédiaire dans la traite des fourrures. Euh, Champlain a obtenu qu'il y ait un monopole sur la traite des fourrures pour qu'il y ait très peu de bateaux qui viennent à Tadoussac, donc les, 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 les Innus n'avaient plus la possibilité de mettre un grand nombre de bateaux en concurrence les uns contre les autres. Et puis, euh, les Français ont voulu. Faire le commerce directement avec les, les pourvoyeurs des Inuits, ils l'ont fait avec les Algonquins et avec plusieurs nations, et donc ils ont court-circuité les Inuits qui euh, étaient furieux et qui ont pensé euh, sérieusement à deux reprises à, à refouler euh, les, les Français à la mer, euh, mais qui n'y ont pas réussi à, à cause des divisions entre euh, les nations dans, dans l'alliance. La, dans euh, la deuxième source de tension euh, tient au fait que les Français qui venaient ici ne venaient pas comme immigrants dans les sociétés européennes, mais ils venaient comme porteurs de la civilisation et de la foi dans, euh, parmi des peuples euh, sauvages, païens, sans feu, ni lieu, ni foi, ni loi, ni roi. Euh, donc, euh, avec, en somme, on pourrait dire une arrogance, euh, une arrogance coloniale, mais néanmoins, euh, ce n'est pas un facteur marquant puisque euh, les Français ont été au départ en particulier extrêmement dépendants à l'égard des Amérindiens, euh, comment circuler sur le territoire, comment vivre l'hiver, comment se nourrir. Euh, donc on, ils ont beaucoup appris et on a développé des, euh, des rapports de, euh, de proximité. L'exemple le plus extraordinaire, c'est celui du... Euh, euh, du Père Lejeune, un, un missionnaire qui euh, va aller camper, euh, faire un campement d'hiver, il euh, faut le faire, 20 personnes qui partent, euh, qui partent dans le bois et se nourrir et, euh, et survivre pendant, euh, pendant tout un hiver. Euh, et Donc, il le fait une première fois et il a des remarques plutôt dures à l'égard de ses autres parce qu'il trouve qu'en somme, c'est un environnement très inconfortable, mais... Euh, il se chicanne avec le chaman, mais une, une vingtaine d'années plus tard, il écrit un remarquable texte de relativisme culturel, un des plus beaux textes de relativisme culturel, 1658, en disant que chacun à sa manière, ce qui apparaît remarquable pour les uns ne l'est pas pour les autres. Les Français trouvent que les Amérindiens mangent très mal et n'ont pas de belles manières de table. Les Amérindiens trouvent que les Français sont dégoûtants de se moucher dans un mouchoir et de mettre le tout dans leur poche. On danse, on danse euh, euh, on, on, euh, voici quelle est la belle manière de danser des uns et des autres. Tout est, alors le Père dit, Outre Dieu, tout est, euh, tout est relatif. Donc, euh, euh, dans, ce, dans ce contexte, l'on s'interpelle comme étant des frères. Les, euh, le gouverneur français, les chefs indiens sont des frères et donc se parlent sur un pied d'égalité. Autre, autre source, mais je reviendrai sur cet aspect, euh, autre source de, de tension, les épidémies. Comme les Indiens meurent beaucoup plus, on se pose constamment la question est-ce que les Français ne nous font pas mourir Est-ce qu'ils n'ont pas un pouvoir de sorcellerie pour nous tuer Question euh, compréhensible à l'époque. Nous sommes avant Pasteur, on ne connaît pas les, euh, les microbes, on ne connaît pas les modes de circulation, de transmission des épidémies, sauf, sauf de manière euh, euh, très peu, très peu élaborée. Le mauvais sort se résumait en fait à l'unification microbienne du monde à laquelle le système immunitaire des Amérindiens n'était pas du tout préparé à faire face. Ainsi, la variole, le typhus, la rougeole, le choléra, les fièvres typhoïdes, la grippe, le rhume, la scarlatine, la rubéole, la diphtérie, la coqueluche, la blénorragie et la syphilis fauchèrent 95 de la population autochtone dans les deux siècles suivant les premiers contacts avec les Européens, rapporte Denis Delage, sociologue et historien, dans son texte Microbes, animaux et eaux en Nouvelle-France seule la syphilis existait déjà dans les amériques mais elle devint alors encore plus virulente. en fait cette catastrophe ce dépeuplement n'a pas de commune mesure dans l'histoire de l'humanité. enfin il y a eu la question des, euh, des armes à feu qui était euh, décisive. Les, les alliés des français voulaient obtenir des armes pour se défendre contre les, contre les Iroquois et les Français n'ont pas voulu vendre d'armes euh, à leurs alliés, craignant que, éventuellement ces armes, ils les retournent contre eux. Euh, et euh, ils ont limité la vente d'armes aux seuls au seul convertis, alors que les Iroquois, eux, obtenaient des, euh, des armes en quantité abondante de la part des Néerlandais et des Anglais, si bien que les, euh, la Huronie a sombré et que les Iroquois ont gagné, euh, ont gagné ces guerres, comme vous savez, savez. Après cette, euh, cette défaite, le réseau, euh, le grand réseau d'alliances s'est réorganisé autour euh, des Outaouais, qui ont longtemps hésité entre rallier les Iroquois, aller chez les Anglais, qui offraient d'ailleurs des marchandises à meilleur prix, mais ils détestaient les, les Iroquois qui leur avaient fait la guerre, ou opter pour, euh, euh, opter pour les Français. Ils ont finalement pris le parti de demeurer dans l'alliance euh, avec, avec les Français. Cet effet. Combiné, le résultat combiné de ces, de ces défaites militaires des alliés des Français, parce que les Iroquois ont, ont vidé le sud de l'Ontario de ses populations sédentaires, et ils ont mené des guerres euh, euh, jusque, jusque dans le Saguenay, euh, donc à très grande échelle. Euh, donc la défaite de ces alliés aux mains des Iroquois, l'effet des épidémies qui les, qui, les, qui les réduisent en nombre encore. Euh, Terriblement, tout ça a eu pour effet de modifier les rapports entre les Alliés et les Français. Et il y a un document des années 1660 où un Huron du nom de Sastareti vient voir le gouverneur et le gouverneur Montmagny et il lui dit Désormais, tu seras mon père, je serai ton enfant. Nous ne sommes plus des frères. « euh, Mais comment t'appelles-tu » Et euh, on lui répond « Montmagny ».« Mais qu'est-ce que ça veut dire Montmagny ?» C'est un mot français, un hein? huron ne comprend pas ce que ça veut dire. « Ah, ça vient du latin Montemagnus. Ah, Ononcio, un huron. » et, et donc, à partir de ce moment-là, les Indiens vont toujours appeler le gouverneur Ononcio, ce qui, euh, ce qui est dérivé donc de Montmagny et qui veut dire « grande montagne ». Euh, euh, et les Indiens disent « Désormais, tu seras notre père » et nous serons, euh, nous serons tes enfants. Les Français disent extraordinaire, les, les, euh, les Indiens acceptent de se soumettre à notre pouvoir, nous allons pouvoir leur commander, euh, ils devront nous, nous obéir, parce que leur référence est le système de parenté patriarcale européen, euh, dans lequel les, euh, euh, le père est investi d'un grand pouvoir sur sa chère épouse et sur ses enfants. Il n'en allait pas de même pour les. Pour les Amérindiens, euh, leur référence est le système de parenté des Iroquoïens, dans, dans lequel l'autorité sur les enfants s'exerce par la mère, bien sûr, et par le frère de la mère, donc l'oncle maternel. Le père est un pourvoyeur, un protecteur, qui a autorité euh, morale sur les enfants de ses sœurs, mais pas sur les enfants du couple, pas sur les enfants qu'il a avec sa mère. Donc, dans la logique amérindienne, euh, on n'a pas dit, toi, Ononcio, tu seras notre oncle, tu seras, on l'a dit, tu seras notre père. Donc, notre père, ça veut dire, tu es notre pourvoyeur, tu nous donnes les marchandises dont on a besoin, tu es notre protecteur, tu nous assures ton soutien militaire, mais tu ne nous euh, commandes pas. Euh, ce, qui, ce qui veut dire que les nations amérindiennes, même affaiblies, demeuraient euh, souveraines, qu'elles n'étaient pas assujettie, bien qu'un lien de dépendance est en train de se créer, puisqu'il euh, y a un pouvoir hégémonique des Français qui est en train, train d'émerger, puisque Ononcio est, euh, euh, est, est la référence pour l'ensemble des nations. Sur le quatrième de couverture du livre de l'historien Maxime Goyer, « Ononcio, le médiateur, gestion des conflits amérindiens en Nouvelle-France, 1603-1717 », on peut lire ceci celui que les amérindiens appelaient communément Ononcio qui signifie la grande montagne ou la belle montagne traduction huronne du nom de Charles Huot de Montmagny premier gouverneur de la Nouvelle-France non seulement était-il leur père au sein de l'alliance mais il se présentait aussi comme le médiateur de la paix publique l'arbitre absolu de la guerre et de la paix ou même le maître des casse-têtes pour reprendre une formulation amérindienne Contrairement aux autres puissances européennes, les Français ont moins cherché à diviser pour régner. Ils ont plutôt misé sur la paix entre les Autochtones pour consolider leur empire. Et l'un des moments clés dans l'histoire de la médiation française est sans contredit la Grande Paix de Montréal, signée le 4 août 1701 par les Français et une quarantaine de nations amérindiennes. Mais ceci nous amène à dire néanmoins, si ces nations sont souveraines, qu'il faut lire avec attention les cartes de la Nouvelle-France. Les cartes de la Nouvelle-France ne représentent pas une France nouvelle en Amérique où le roi règne sur toutes les populations de Québec à la Nouvelle-Orléans, puisque les nations autochtones sont souveraines et puisque les ordres qui se présentent comme ordres transmis par le gouverneur euh, aux nations des Grands Lacs est reçu comme des propositions dont, euh, que l'on va débattre et dont on va disposer euh, à sa guise. Euh, cependant, certes, le, le pouvoir français aspire à la souveraineté, aspire à, à s'imposer, euh, mais ce n'est pas encore réalisé dans les années 1660, ni même un siècle plus tard. Par ailleurs, les prises de possession de territoires que les Français vont faire, par exemple, à Sault-Sainte-Marie, euh, où on érige une croix avec, aux emblèmes du roi et il y a un notaire qui euh, enregistre la prise de possession euh, dont le document sera, euh, se, sera expédié à Versailles. Euh, ce sont sur papier des documents de prise de possession pour la diplomatie européenne où on pourra dire aux Anglais, ah, ah c'est nous qui avons découvert les premiers en vertu du droit international. Ce territoire nous appartient parce que nous l'avons euh, découvert le premier. Autre crainte des Amérindiens alliés à l'égard des Français, ils ont peur d'être trahis par les Français qui feraient une paix une, une, une directement avec les Iroquois sur leur dos sans négocier avec eux et sans leur demander l'autorisation et sans les intégrer dans les négociations. Et euh, ils ont raison parce que ça s'est fait à, quel, à plusieurs reprises. J'en retiens deux. Euh, les Hurons qui se sont réfugiés à Québec sont allés euh, vivre un bout de temps à l'île d'Orléans et les Iroquois ont décidé d'aller les attaquer pour faire un grand nombre de prisonniers, ce qu'ils ont réussi. Les Français les ont laissés passer et repartir avec les prisonniers parce qu'ils souhaitaient être, avoir la possibilité d'aller s'installer eux-mêmes chez les Iroquois et y envoyer leurs euh, leur missionnaires. L'autre exemple... C'est le gouverneur Labarre qui tente une, une invasion de. D'un village iroquois au sud du lac Ontario, euh, son projet échoue. Il est obligé de signer une, une paix honteuse pour la France. Et dans cette paix, il accorde aux iroquois le droit d'aller attaquer ses propres alliés, les Illinois. Évidemment, les Illinois sont finalement informés. Et donc, les, euh, les Indiens ont toujours cette crainte euh, d'un jeu qui se fasse euh, ou d'une entente qui se fasse anti-iroquois et français sur, euh, sur leur dos. Par ailleurs, euh, les, euh, euh, les Alliés veulent bien faire la guerre aux Iroquois, euh, mais non pas les anéantir pour deux raisons. Parce que les Iroquois sont un verrou qui empêche les Anglais de venir dans les Grands Lacs. Les Iroquois interdisaient aux Anglais de construire des forts ou de s'établir dans les Grands Lacs. Et ils sont aussi un contre-pouvoir pour les Français. Et si on est, si on est anéanti les, Français, les, les Iroquois, les Français pourraient être trop puissants. Puis l'autre euh, élément, c'est que l'immigration française est une immigration principalement masculine au 17e siècle. Autour de 1660, euh, sur la piste de danse à Québec ou à Montréal, vous avez sept pauvres jeunes hommes et une belle créature. Et euh, les, autres, euh, les, les autres se demandent ce qu'ils vont, qu vont faire sur place. Enfin, on se ce qu'ils vont faire sur place. Il y a donc trois hommes sur sept qui vont dire Nous, on retourne en France, et trois sur sept qui disent Non, on s'en va dans les pays d'en haut, traite des fourrures et on va aller se marier là-bas. Et, et, et donc, euh, il y a un grand nombre de jeunes hommes coureurs de bois, voyageurs qui partent de Montréal euh, et qui vont euh, s'établir dans les Grands Lacs et qui vont marier, euh, marier des, euh, des Amérindiennes. Euh, C'est le couple d'un français ou canadien et d'une amérindienne sera à la, au fondement de la traite des fourrures, ça correspond en même temps absolument aux traditions amérindiennes de toujours faire en même temps du commerce, euh, organiser des mariages et de toujours circuler pour le commerce dans, le, euh, dans la parenté. Euh, proximité culturelle aussi parce que ces jeunes coureurs de bois, ces voyageurs sont généralement analphabètes. Ils sont porteurs d'un très riche corpus de contes, de légendes, de chansons, de souches indo qui vont absolument passionner les Amérindiens. Les Amérindiens vont, vont prendre ce corpus et l'intégrer dans leur propre corpus de légendes et, euh, et de mythes. Enfin, il y a aussi une grande, curieusement, euh, même s'ils relèvent de deux univers complètement différents, une grande parenté entre les chefs, les chefs autochtones et les aristocrates français. Les deux ont ont la passion pour les exploits guerriers. Euh, les deux adorent la chasse. Vous savez qu'en Europe, en France, la chasse est un privilège de nom. Les deux aiment le faste et l'apparat. Les deux aiment l'art oratoire. La tradition de l'art oratoire chez les autochtones est, est très importante. Les deux aiment l'ostentation, le potlatch. Pas mal mieux qu'un marchand protestant vêtu de noir qui travaille toute la journée et toute l'année à accumuler son bien. Alors, voilà, pour le, le, voilà pour ce premier acteur. Les Amérindiens apportèrent beaucoup aux colons français. À leur contact, c'est d'ailleurs tout leur rapport à l'eau qui changea. Comme l'explique le sociologue Denis Delage, l'Europe au 16e et 17e siècle avait fermé ses bains publics que l'on croyait cause d'épidémie. L'eau, particulièrement l'eau chaude, apparaissait comme dangereuse car on disait qu'elle ouvrait les pores de la peau. Plutôt que de se laver, on saturait la peau de poudre de sel et d'huile, on frottait les aisselles de parfum et le visage d'un linge blanc sec. Cependant, euh, l'on ne pouvait s'empêcher de boire. L'eau de la France était alors malsaine et corrompue. On coupait cette eau avec du vinaigre pour en camoufler le mauvais goût, ce qui d'ailleurs contribuait à la purifier. Les riches pouvaient soit boire moins d'eau, soit la choisir. À titre de buveur d'eau, les Amérindiens étaient donc considérés comme des enfants, n'ayant pas encore atteint la condition adulte des Européens, cette civilisation buveuse de vin. Cette peur de boire de l'eau fut transposée un temps en Amérique, alors qu'en 1685, Monseigneur de Laval, craignant d'obliger les employés du séminaire de Québec à ne boire que de l'eau, projetait de faire les frais de la construction d'une brasserie. Graduellement, les colons et l'élite cessèrent d'associer l'eau à la misère et à la maladie. Mais comme en Europe, ils se mirent à la contaminer. Les autorités durent sévir contre les latrines et dépotoirs dans les rues et les berges puantes des ports couvertes d'immondices et de résidus de boucherie. Les Européens furent également frappés par les pratiques d'hygiène des Amérindiens, eux qui semblaient tirer de leur baignade et de leur tente à suer le plus grand bien. Le deuxième acteur euh, à l'origine, il s'agit de l'Iroquoisie, un acteur on pourrait dire relativement marginal dans le commerce et la, surtout dans la diplomatie, qui s'est élevé au premier rang par des victoires militaires contre les Hurons en 1649 et toutes les nations du sud de l'Ontario et plus largement euh, des Grands Lacs qui a rallié de gré ou de force un grand nombre de, de nations. Euh, L'Iroquoisie a, aspi a aspiré à devenir un petit empire pour rallier la plus grande part des nations autochtones, puis essayer de contenir les Européens euh, à la marge tout, tout en négociant et en commerçant avec eux. À vrai dire, leurs objectifs étaient analogues à ceux, à ceux des Français. Peut-être qu'il aurait été préférable qu'émerge un pouvoir centralisé autochtone en Amérique plutôt qu'un pouvoir colonial européen. Avant d'entendre M. Delage nous expliquer pourquoi l'Iroquoisie n'est pas parvenue à se constituer en un petit empire, demandons-nous d'où vient l'appellation Iroquois. Car à l'origine, les Iroquois se nommaient Odenosoni, qui signifie peuplade des longues habitations. Selon l'archéologue Roland Tremblay, auteur du livre Les Iroquois du Saint-Laurent, peuple de maïs, l'appellation Iroquois remonterait au 16e siècle, alors que des équipages basques sillonnent le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent pour y chasser la baleine. Ce faisant, ils rencontrent des groupes algonquiens, ancêtres des Micmacs et des Innus, et développent avec eux des relations d'échange. Ces algonquiens, à leur contact, adoptent le mot basque iloquois. Signifiant les tueurs, pour désigner leurs ennemis qui vivent plus loin, à l'intérieur des terres. À une différence phonétique près, cependant. Comme ils ne prononcent pas la lettre L, le mot Ilokoa s'entend dans leur bouche comme s'il s'écrivait Irokoa. Passé dans l'usage courant au 17e siècle et francisé, cette appellation deviendra Iroquois. Retournons maintenant au problème rencontré par l'Iroquoisie. Mais c'était ça ne pouvait pas se réaliser pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y avait pas de sentiment d'appartenance panamérindienne en Amérique. Les populations coloniales britanniques se sont, euh, se sont multipliées très rapidement. C'est devenu un pouvoir que les Iroquois ne pouvaient pas contenir ultérieurement. Euh, et surtout, les victoires des Iroquois ont transformé la composition ethnique de l'Iroquoisie. Auparavant, on faisait la guerre pour on introduisait quelques captifs qu'on finissait par intégrer. Mais là, ils se sont retrouvés avec une majorité de captifs dont l'intégration est devenue très, euh, très, très difficile. Qui plus est, ces, ces captifs, dans plusieurs cas, étaient convertis. Euh, dans d'autres cas, se sont convertis parce que les Iroquois ont invité les Jésuites à aller habiter chez eux. Et les Jésuites ont converti la plupart, la plupart des captifs. Pourquoi Bien, Parce que dans l'univers traditionnel autochtone, L'au-delà est la prolongation du maintenant. Dans l'au-delà, l'arme du chasseur chassera avec l'arme des raquettes sur l'arme de la neige, l'arme d'un caribou. Mais ça sera la même vie qui va se transposer. Insupportable ça pour un esclave ou pour un, ou pour un captif. On souhaite très bien que l'au-delà soit différent. Alors, quand les missionnaires disent les premiers seront les derniers, ils ont les mêmes succès qu'on euh, qu a observé au début du christianisme, alors que les, les, les grandes conversions se sont faites auprès, de, auprès des esclaves. Dans ce cas-ci, donc, les, euh, les captifs se convertissent parce qu'ils euh, trouvent un sens, à, un sens à leur vie, au moins à leur vie, euh, à, à, à leur vie après la mort, ou à ce qui, à ce qui irait après la mort. Les, euh, euh, les, la société roquoise aurait pu se durcir et devenir esclavagiste, mais elle a plutôt procédé à une scission et il y a eu migration des Iroquois convertis. Chez les Agnés, la majorité euh, étaient des captifs euh, qui euh, sont venus à la prairie à partir de 1667, à la montagne depuis la prairie, c'est-à-dire de la prairie à Kanawake ou Sault Saint-Louis, et de là, euh, certains sont allés à la montagne, d'autres sont restés là-bas en 1676, et ils sont venus rejoindre... Euh, leurs euh, leur frères catholiques, et ils ont joint l'Alliance des Outaouais, et ils ont été les défenseurs de Montréal euh, contre les attaques iroquoises, entre autres euh, l'attaque de la Chine en, 16, en 1689. Les Iroquois chrétiens de la région de Montréal, euh, qu'on considère comme étant le verrou et la protection de Montréal contre les attaques iroquoises, euh, participent à la défense euh, de la région de Montréal contre les attaques iroquoises. Cependant, la Ligue iroquoise a mener des offensives diplomatiques euh, auprès, de ses, euh, auprès de ses frères devenus euh, chrétiens. Et ils ont négocié et réussi un rapprochement à partir de 1696. Donc à partir de 1696, les Français de Montréal ne peuvent plus tellement compter sur les, les Iroquois chrétiens pour aller attaquer euh, les, Iroquois de, les Iroquois de la Ligue. Et pour ce, de, pour ce qui est de les défendre, ils sont devenus très proches l'un de l'autre. Euh, ce qui n'empêchait pas les. Euh, les je, je devrais dire. Et, et, et de surcroît, les, euh, les Iroquois faisaient de, de l'espionnage de à Montréal. Il y avait des espions dans les tavernes de Montréal, des espions Iroquois. Et euh, chaque fois que euh, les, les, les parties armées partaient de Montréal pour aller attaquer le territoire euh, Iroquois, bien, les Iroquois étaient toujours informés par leurs espions dans les tavernes, si bien qu'on a dû changer de tactique puis informer les militaires qu'une fois qu'on était parti de Montréal, sans quoi, euh, sans quoi les, 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 les Iroquois, par leurs informateurs, savaient, savaient où se dirigeaient la, les, les troupes françaises. Il y a aussi un cas bien intéressant euh, un chef qui s'appelle Oureouaré. Euh, qui était un ambassadeur Iroquois qui est allé négocier avec, antérieurement, le dans les années euh, 1680 avec le gouverneur euh, de Nonville, que le gouverneur de Nonville, au lieu de l'accueillir en ambassadeur, le fait prisonnier, le déporte en France, dans les galères. Euh, les Iroquois qui apprennent ça, évidemment, sont absolument euh, furieux et pour établir la paix, quand, quand Frontenac revient pour son deuxième mandat, il ramène ou avec lui, et ils deviennent de très bons amis, ils cohabitent un, un bout de temps. Euh, ensuite, Ouarouare euh, va servir de négociateur à Kanawake avec, euh, avec les, la Ligue iroquoise, mais était-il un, un espion? Euh, de quel côté était-il? Euh, on ne peut rien prouver, mais on peut penser que les Iroquois avaient un informateur bien placé. Quatrième, troisième acteur, les Français. Euh, les Français euh, se... Donc, on a dit qu'ils se, se sont joints à un réseau d'alliances en, en 1603. Euh, ils se sont établis à Québec dans une région où il y avait des nomades, mais où il n'y avait plus de, euh, de sédentaires. Il y avait du temps de quartier les Iroquois de Saint-Laurent, qui étaient des agriculteurs, des producteurs de maïs, et des fournisseurs de farine de maïs pour les nomades tout autour d'eux. Les Français vont donc remplacer ces anciens fournisseurs de farine de maïs, euh, en, en devenant des fournisseurs de farine de blé pour les nomades, qui partaient donc l'hiver avec des réserves de farine pour, euh, pour les campements d'hiver, pour, pour les périodes de, de creuse de, euh, de chasse. Euh, les Français étant euh, d'anciens régime, et catholiques, sont davantage missionnaires que les protestants. Donc, il y a beaucoup de missionnaires qui vont par les Amérindiens, qui apprennent des langues, qui font des grammaires et qui connaissent, euh, connaissent leur société. Ils appartiennent à un régime euh, monarchique euh, où la juxtaposition des castes et des statuts euh, ne fait pas problème. Donc, intégrer les Indiens ne fait pas de problème. Et, c'est pas bien important, on n'a pas la propriété privée, on, on fonctionne sur les terres avec la propriété seigneuriale. Donc, un système non pas de propriété exclusive, mais de droit euh, du prêtre, du seigneur, du roi, des paysans, des glaneurs. Pourquoi ne pas rajouter les Indiens? On pourrait bien faire des contrats pour les, pour les colons en disant euh, « Les Indiens autour auront droit de venir faire la coupe du bois ou chasser sur vos terres. Euh, » C'est euh, par ailleurs, je l'ai souligné, ça a été une erreur des Français de ne pas armer leurs alliés. Euh, et les Français étaient vulnérables au plan économique puisqu'ils n'étaient pas compétitifs. Leur prix était toujours plus élevé. Et surtout, il euh, y, y avait une tension entre la diplomatie et l'économie. Ononceau, comme pourvoyeur, devait fournir des, les, les meilleures marchandises à ses, à ses alliés et prendre toutes leurs fourrures. Mais sont, les Français se sont retrouvés avec l'obligation diplomatique d'acheter les fourrures, mais l'incapacité d'écouler. Euh, découler ces fourrures sur le marché européen, si bien qu'il y a eu une surproduction et on a dû fermer les postes français à l'intérieur euh, du continent en 1697. Dès lors, la plupart des nations disent qu'on se retourne du côté des Iroquois et des Anglais, ce qui est très, qui est très risqué. Enfin, euh, les Français étaient vulnérables aux attaques iroquoises et plus vulnérables que les Iroquois ne l'étaient aux attaques françaises. Alors ici, je vais vous lire seulement. Un tout petit passage du, de l'historien la lapotrie qui est celui qui nous a laissé la plus belle description de la Grande Paix de Montréal. en euh, décrivant donc cette, euh, ces années, ces, ces décennies de vulnérabilité euh, des colons face aux attaques iroquoises, il dit Le paysan ou l'habitant ne mange pour l'or son pain qu'en tremblant. Quiconque sort de son habitation n'est pas sûr d'y rentrer. Ses semences et ses récoltes sont la plupart du temps abandonnées. Le seigneur de paroisse voit toutes ces terres pillées et brûlées. Le voyageur ne voit guère que la nuit. » Bon, alors, les Français sont vulnérables. En revanche, les invasions iroquoises de l'Iroquoisie, la mise à feu de leurs villages, de leurs leur récoltes, y compris de leur capitale au nom n'ont pas brisé euh, la, euh, la résistance. Et enfin, les Français non plus n'avaient pas intérêt à détruire complètement l'Iroquoisie, puisqu'ils auraient eu ensuite les anglais qui, seraient, qui se seraient présentés au lac ontario le concept de propriété privée chez les amérindiens leur était traditionnellement étranger comme on peut le lire sur le site grandquebec.com en nouvelle france l'indien se concevait comme un élément parmi d'autres de la nature à l'égal des animaux des poissons et des plantes la terre n'était pas sa propriété il ne pouvait concevoir de la vendre ou de l'échanger le commandant Antoine Lomet de Cadillac, qui favorisera la distribution d'eau-de-vie aux Amérindiens, se verra offrir cette réponse par le chef Huron, 40 sols, lorsqu'il tentera de se comporter en seigneur avec cette nation. Cette terre n'est pas à vous pour nous la donner, car dans la tête des Amérindiens, autoriser des colons à s'établir sur leur territoire n'équivalait pas à leur en céder le droit de propriété. Alors, nous arrivons. Après, après ce grand portrait, au préliminaire de la Grande Paix. Alors, au terme de plus d'un siècle de conflits, on atteint un point d'équilibre. Personne ne peut gagner et tous trouvent intérêt supérieur à la paix. Il y a donc eu quatre années de longues et délicates négociations, des négociations multilatérales menées à Michelin-Mackinac, donc ce, cette île et qui est le, le rendez-vous des nations des Grands Lacs, à Onondaga, la capitale iroquoise, à Montréal. Un, con, un traité provisoire est conclu et signé en, en septembre 1700 à Montréal, qui comprend pour clause la cessation des hostilités, l'échange multilatéral des prisonniers, ce qui veut dire que on prévoit se rencontrer à Montréal en août, en août de l'année suivante, chacun devant ramener ses, ses prisonniers et on, on demande à Ononcio d'être les médiateurs. Les principaux artisans, sans qu'on entre dans le détail de cette, de cette grande paix, sont le chef Huron, Kondiaron, Mescadoué, un abénaki, Onon Guissé, un son iroquois, qui lui a dit ⁇ Je suis d'accord, et euh, il a convaincu les factions pro-anglaises et pro-françaises euh, d'accepter plutôt la neutralité. ⁇ et il a dit « Je ne me rends pas à Montréal euh, pour la conclusion de la paix, je reste sur Manapa au nom d'Aga, et j'exprime ainsi la neutralité des Iroquois à l'égard des Français et des Anglais. » Et enfin, comme dernier acteur, bien sûr, le gouverneur Frontenac, qui décède et qui est remplacé par le gouverneur Calien. Alors, le, le, passons à la ratification. Les premières ambassades arrivent le 21 juillet 1701, non pas à Montréal, mais à Kanawake, et toutes les, les délégations autochtones arrivent d'abord à Kanawake avant de se rendre le lendemain à Montréal. Kanawake a aussi beaucoup contribué au rapprochement des Alliés. On arrive à Kanawake et à Montréal après un voyage venant d'Iroquoisie par le Champlain-Richelieu ou le Saint-Laurent de facilement quatre semaines, venant des Grands Lacs, michilimackinac, euh, mettait six semaines, vous venez du pays des, Illino, euh, pays des Illinois dans le Mississippi, mettez facilement euh, huit semaines. Euh, toutes les nations sont venues, sauf les Agnés ou Mohawks qui sont arrivés euh, après la conclusion de, de, la, de la paix, mais qui l'ont ratifiée. Euh, quand on arrive à Kanawake, on est reçu par des salves d'armes à feu et on procède à une grande cérémonie dans la tradition autochtone qu'on appelle la cérémonie de condoléances de l'orée du bois. C'est un rituel préliminaire de négociation où chacun exprime sa douleur pour ses morts et pour ceux de son ennemi dont on se réjouissait auparavant, mais désormais on pleure tous les morts, les siens et ceux de ses anciens, euh, de ses anciens ennemis. Ce rituel consiste à offrir trois branches de porcelaine ou de wampum dans les documents d'époque on dit toujours porcelaine euh, la première pour essuyer les larmes et pleurer les morts, la deuxième pour déboucher les gorges afin que chacun parle avec sincérité. Ensuite, déboucher les oreilles pour s'ouvrir à la parole de l'autre. Un troisième pour essuyer la natte de sang qui couvre le sol des demeures endeuillées. On échange ensuite le, le calumet, on le fume et dans la boucane commune, on partage un même esprit de paix. Suit un grand festin, danse et musique. Le lendemain, 22 juillet, 200 canaux alignés traversent de Kanawake, ou sault saint louis à Montréal, sont reçus au son des, au bruit des salves de canons, euh, Les arrivants cabanent le long de la palissade de, de Montréal, située euh, autour, là, du, du musée de la Pointe-à-Calière. Euh, parmi ceux-ci, Texancote, un Tsunotouan, ou Sénéka, 80 ans, debout dans son canot, criant Aïe, 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 et pleurant à chaudes larmes les morts. Pour que tout le monde l'entende. Les Iroquois, quant à eux, ne campent pas avec les autres. Ils sont reçus dans la maison de Paul Lemoine de Maricourt, qui est un négociateur, Iroquois, un négociateur français pardon, auprès des Iroquois, comme l'a été son père, qui, qui parle Iroquois comme son père le parlait, qui, est adopté, qui a été adopté par les Iroquois. Il est donc aussi leur enfant et il les reçoit euh, dans sa demeure. Au fur et à mesure de l'arrivée, Calière reçoit les chefs les uns après les autres et il reçoit Condiaron, Condiaron, ce Huron 75 ans. Alors voici, voici ce qu'il dit. Notre Père, tu nous vois auprès de ta natte. Ce n'est pas sans beaucoup de périls que nous avons essuyé dans un si long voyage. Les chutes, les rapides et mille autres obstacles ne nous ont point paru si difficiles à surmonter pour l'envie que nous avions de te voir et de nous assembler ici. Nous avons trouvé bien de nos frères morts le long du fleuve. Notre esprit en a été mal fait. Le bruit avait couru que la maladie était grande à Montréal. Tous ces cadavres rongés des oiseaux que nous trouvions à chaque moment en étaient une preuve assez convaincante. Cependant, nous nous sommes fait un pont de tous ces corps sur lequel nous avons marché avec assez de fermeté. C'est tiré de bagville de la poterie ». Des conseils sont donc tenus à chaque jour où on débat et on cherche des solutions aux problèmes de l'heure. Alors, un des problèmes, c'est la surchasse. On en, on en débat. Les prix français que l'on trouve trop élevés. Euh, les Français euh, discutent de leur projet de fonder Détroit. On disait à l'époque le Détroit, parce qu'on le fondait sur les deux côtés de la rivière. Euh, on débat aussi des nombreuses tensions entre les alliés et des accrochages. On débat de la vente de l'eau de vie qui trouble l'esprit. Euh, mais surtout, on débat du refus des Iroquois de ramener leurs prisonniers. Parce que tout le monde a ramené ses prisonniers, sauf les Iroquois. Et là, tout risquait de basculer. Le premier er août, Condiaron tombe gravement malade. Il fait un dernier discours, un grand plaidoyer pour la paix, malgré le non-retour, et il meurt un peu après. Le 2 août, on lui fait des funérailles. Grandiose à l'église, je crois que c'est Notre-Dame de Montréal, enfin l'église de Montréal. Il est vraiment pas l'actuel. Euh, euh, Condiaron était catholique. Euh, il y a donc un long cortège de soldats, suivis des guerriers hurons, vêtus de robes de castor, le visage peint en noir. Une robe de castor, ce n'est pas une robe au sens contemporain. Une robe de castor, c'est une grande couverte de peau de castor avec lesquelles on se couvrait et euh, qui souvent, quand on la portait, le cuir à l'extérieur était orné de, de, magnifiques, euh, de magnifiques peintures ou, ou dessins. Donc suivent les guerriers hurons, le visage peint en noir, le clergé, euh, les chefs portant le cercueil, euh, la famille de Condiaron était là, euh, toutes les délégations suivent, euh, les notables de Montréal, bref, tout le, monde, euh, tout le monde y participe et Condiaron est enseveli, euh, dans l'Église, qui est évidemment un honneur euh, réservé aux au notables. Le lendemain, le 3 août, le rhume se répand, la rumeur de mauvais sort qu'auraient jeté les Français. Peut-être qu'ils ont réuni tous les, tous les ambassadeurs ici pour tous les faire mourir. Alors Callière, entendant ces rumeurs, décide de procéder au plus vite à la ratification et fait préparer une grande enceinte hors les murs. On ne sait pas exactement le site, mais pas très loin de l'enceinte de Montréal. Alors nous arrivons à la journée du 4 août 1701, la journée de la ratification. C'est donc une grande cérémonie protocolaire inspirée des traditions diplomatiques et des Amérindiens et des Français pour les amérindiens ce qui compte c'est l'engagement formel c'est-à-dire la parole échangée portée par le wampum sacré suivi de la circulation du du calumet que l'on fume et et de la fumée dans laquelle dans laquelle on baigne ça c'est l'acte de ratification et c'est ainsi que 31 colliers sont échangés donc à chaque collier il y a un discours, ensuite, on, on, euh, il peut y avoir une réponse, euh, ensuite, on fume le calumet, puis ensuite, un deuxième. Bon, alors la journée, bien sûr, il y a, il y a passé. Pour les Français, évidemment, ce n'est pas la parole échangée qui compte, c'est la signature, ce que les Amérindiens, normalement, ne font pas. Alors, les Amérindiens vont apposer au bas du document leur, leur marque. Vous allez trouver ça sur Internet, tapez euh, « PED701 », vous allez voir le, le document. Donc, les Amérindiens, les chefs amérindiens apposent leur marque euh, ou leur emblème, selon le cas, celui de leur nation, de leur village ou de leur clan. On identifie 39 marques sur le document, mais parfois c'est difficile de dire est-ce qu'il y en a une ou deux, parce que, est-ce que c'est les deux parties de même dessin ou il y a deux dessins? En gros, on pourrait dire, peut-être d'autres diraient 40, mais enfin, euh, 39 marques sur le document. Euh, deux qui renvoient probablement à un orateur, c'est-à-dire que c'est comme si pour l'orateur amérindien, ce qui compte, c'est la parole qu qu'il qui a, qui a tenue et qu'il a transmise. Ce n'est pas le document. Alors ce qu'il dessine, c'est lui-même en train de parler, avec pas une bulle, mais quasiment une bulle comme dans les, euh, <laughs> comme dans les bandes dessinées. Euh, y a, on, on représente aussi 29 animaux réels ou surnaturels qui ont probablement une valeur totémique, comme une tortue un oiseau du tonnerre, un castor, un rat musqué, une grenouille, euh, un arbre, un chicot avec trois racines, c'est un gymnocladus, comme tout le monde euh, l'avait reconnu. Euh, <laughs> Il y a cinq, cinq objets, euh, des plumes, euh, perches avec scalp, euh, j'en ferai pas la liste, euh, deux références à des à des lieux dont une carrière probablement, une carrière de catlinite. La catlinite, c'est là où on obtenait cette pierre, la catlinite, avec laquelle on faisait, euh, on, on faisait le, le foyer des, des calumets. Donc, ça a un caractère, encore une fois, euh, sacré. Les Européens sont vêtus de leurs plus belles étoffes, euh, portent perruques et chapeaux, euh, mais couvrent leur corps, alors que les Amérindiens élégants se présentent à corps découvert, font voir leurs tatouages. Leur peinture corporelle, leurs grandes coiffes euh, de plumes, il y en a un qui porte une tête de bison. Euh, on a des bijoux de nez, d'oreilles ou de bras euh, portés sur le, portés sur la peau euh, qui gardent la trace de l'animal, c'est-à-dire on voit la griffe, on voit la dent, on voit l'endouillé, ce qui n'est pas la tradition européenne. On, port, on porte certainement des peaux, des peaux peintes et euh, on, le, le, la journée prend fin avec euh, des chants, des danses et un festin de, de la, avec la viande de trois bœufs, ou trois bœufs, je ne sais pas comment on dit. La paix était donc ratifiée et métaphoriquement, non pas réellement, on avait planté l'arbre de la paix sur la plus haute montagne et sa racine allait rejoindre toutes les nations où qu'elles soient. Retenons aussi de cette journée du 4 août 1701, la profondeur de notre histoire commune, également celle de notre profond métissage réciproque. Retenons enfin que le 4 août 1701 a mis fin à plus d'un siècle de guerre, ce qui n'est pas rien. Quatre décennies de paix ont suivi. Voilà un précieux legs de nos ancêtres. À nous d'en faire le départage. Je reprendrai en terminant, ce qui est peut-être une entourloupette, mais je reprendrai en terminant et à ma manière les paroles de Condiaron. « Faisons un pont de tous nos ancêtres pour marcher avec assez de fermeté. Voilà. » Dix journées qui ont fait le Québec, c'est dix dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Et c'est un rendez-vous sur Vox et sur Illico pour tous les amoureux de l'histoire. À la prochaine.